C'est parti pour les consultations nationales sur les îles éparses. Toutes les forces vives de la nation ont été invitées à apporter leurs avis, suggestions ou propositions en vue de récupérer les îles malgaches Nus Sambach, Nus Nandalouv, Nus Pedimak et Nus Yachachambiav ou Nus Yampil. Ces consultations initiées par le gouvernement malgache s'avèrent primordiales avant la suite des discussions avec la partie française. Des nouvelles rencontres se tiendront à Paris à une date qui reste à déterminer. Ainsi, le Premier ministre Christian Tsai a demandé lors du lancement de ces consultations l'adhésion de tout le peuple malgache. Ni fufan presan am retarit manum kusawa am zarowa français. Patrick Radzuel adhère lui aussi à cette nécessité de la communion entre tous les malgaches. Étant membre du comité scientifique en charge des négociations à propos des îles malgaches, il insiste que la finalité de ces débats, la restitution des îles éparses à Madagascar. C'est tout simplement une communion nationale, une communion qui va vers... je crois quelque chose de très fraternel, qui est de dire que nous, Malagas, en 1960, il y a eu quatre îles oubliées dans la décolonisation, et que dès lors que les autorités françaises sont prêtes à reconnaître ce différend, ce qui a été fait le 18 novembre dernier, nos autorités, le président Andry Radzuel, mais également le Premier ministre, M. Tsai Christian, sont là pour, au nom du peuple malgache, négocier un certain nombre de choses qui vont aller vers la restitution de ces îles malgaches à la République de Madagascar. Les malgaches ont répondu en masse à l'appel du gouvernement. Politiciens, hommes d'église, simples citoyens. Ils veulent tous apporter leur contribution à cette lutte. Ralansan a fait une sou. Militante écologiste et fière de son implication dans ce processus. Zava-dehibe tokoa satria fiandrianam-pirenena no resahina ary noavin'ny taranaka malagasy ngeza be ao anatin'izay. Nosy malagasy ny anarany, izany hoe mampifandray ny rehetra izy io. Tsy sanatritsy hoe any faritra tokana izy io na anany tokana izy io fa any malagasy rehetra ka tena tondehibe tokoa izao ifandraisan'ny malagasy fa manana ny fiandrianam-pirenena ny manko ny firenena iray dia mazava ho azy ny vahoaka tsirairay ao anatiny manana an'la maha izy azy manana an'le hoe fanahiny afaka tena hoe misitraka tsara ny rehetrarehetra ao anatin'ny firenena. Au cours de ces trois jours, les discussions tourneront autour de plusieurs thèmes, dont entre autres la sécurité, la souveraineté nationale. Après ces travaux, la commission mixte sur les îles éparses reprendra les discussions à Paris avant la fin du mois de juin 2020.